Nous allons célébrer. Nous allons apprendre. Learn to celebrate the verse that God is using. Apprenons à célébrer ce que Dieu est en train d'utiliser. Amen. Learn to celebrate the vessels. Apprenons à célébrer. The vessels. Le vase. That God is using. Que Dieu est en train d'utiliser. Amen. Amen. I sense the presence of miracles here this morning. Je sens la présence de miracles ici. J'aimerais que tu dises amen comme l'autre. Amen. This is going to be a wonderful service. Ça va être un service merveilleux. Say amen. Dis amen. Learn to celebrate. Apprends à célébrer. Amen. The people that God is using. Le gens que Dieu est en train d'utiliser. Amen. Every man or woman of God. Tout homme ou toute femme de Dieu who is true, qui est vrai, has an intimacy with God. Qui a l'intimité avec Dieu, a l'intimité avec Dieu. When you honor him, lorsque tu l'honores, that intimacy, cette intimité will provoke your blessing. Va provoquer ton miracle, ta bénédiction. Are you understanding me? Tu me comprends? Amen. So I wanted to just thank God for your J'aimerais pastor, que nous remercions Dieu pour notre pasteur, for your father, pour votre père, Dr. Pacha. Just le docteur Pacha. You can clap, you can shout, you can make some noise. Nous pouvons acclamer, nous pouvons crier, nous pouvons faire des bruits. Worship the Lord. Adorons Dieu, juste adorons Dieu. Just tell him something. Everybody just stand up. Toute personne doit être debout. Nous voulons adorer Dieu. And just worship him. Nous allons l'adorer. If you saw me yesterday, si tu m'as vu hier, today is a different person. Aujourd'hui c'est une personne différente. If you and me we ate fufu yesterday, si toi et moi nous avons mangé le fufu hier, that was the physical me. Ça c'était mon moi physique. C'était le moi physique. C'était le moi physique. This is the spiritual me. Ça c'est le moi spirituel. Amen. Open up your faith. Amen. Open up your faith. Ouvre ta foi. Amen. Amen. Lift up your hands. Levez vos mains. And just worship the Lord. Adorons Dieu, le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Commence à adorer Dieu. Adore Dieu. Je suis venu ici avec les anges. On vit avec des anges. Il y a des anges qui marchent avec moi. Un ange qui t'en famille à mon micro. Ils vont enlever les maladies. Quand il a soin sage. Ils vont opérer des miracles dans les vies de ceux qui sont ouverts. Vont opérer le miracle de la dimension à distance commodale. Jésus est ici. Jésus est qui? Passons une chose qui se coloca, mais confie le bon pignon, ça te roule à ses pieds, tout le monde des pieds, juste pour faire ce temps. Comment nous pouvons nous dire tout? Sada Bakata Yakara Bazata. Yeah.
My father, mon créateur. He who invented me. Celui qui m'a créé. Yes, I worship you. Je t'adore. The beginning and the end. The beginning and the end, the Alpha and the Omega. Le début et la fin, Alpha et Omega. I worship you. J'adore. I commit this moment into your hands. I commit this moment into your hands. Je ordonne et je commence ce moment entre tes mains. Jésus le Tout-Puissant. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus le Laisse un peu le piano qu'on dit, mes souvenirs. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. If you are here and you are sick. Si tu es ici et que tu es malade. And you can feel the pain. Et que tu sens des douleurs. Lift up your hand, let me see. Élève ta main que je vois, que tu vois. Put your hand down. Put your hands down. Put your hands down. Ah, vous pouvez. Put your hands down. Ah, et baissez vos mains. If you are here, si tu es ici, and you can feel sickness in your body, et que tu sens la maladie dans ton corps, let me see your hand up. Que je vois ta main. Right up. Au dessus. Obedience is very powerful. L'obéissance est très puissante. God is not asking you money. Dieu ne te demande pas de l'argent. Just your obedience. Seulement ton obéissance. And your faith. Et ta foi. Put your hands down. Et baissez vos mains. If you feel that Jesus can heal you. Si tu sens que Jésus peut te guérir. If you know. Et si tu sais. Put your hand up. Mets ta main au-dessus. Lève ta main. I'm talking to those who are sick. Je suis en train de parler pour ceux qui sont malades. À ceux qui sont malades. Put your hands down. Baissez vos mains. Shalabada. If you believe that he can heal you, si tu crois qu'il peut te guérir, let me ask you, when do you want to be healed? Let me ask you. Alors, laisse-moi te demander. When do you want to be healed? Quand est-ce que tu veux que tu sois guéri? Tell me when. Dis-moi quand. If you believe that Jesus can heal you now, si tu crois que Jésus peut te guérir maintenant, mets ta main en haut. Yes. Lève ta main. God told me, Dieu m'a dit, in 2001, he said, you can never pray and nothing happens. Tu ne peux pas prier et que rien ne se produise. And from that day, et depuis ce jour-là, till tomorrow, et jusqu'à hier et au demain, from that day, depuis ce jour-là, till tomorrow, et jusqu'à demain, God has been more than faithful. Et Dieu a été plus que fidèle. I've seen the blind eye open. Et je vois que les aveugles voient. I've seen deaf ear for 20 years open. Et je vois que les gens qui étaient sourds encore des ans. J'ai vu des gens qui étaient sourds encore d'écouter. The paralyzed walk. J'ai vu de paralysés, les paralytiques marcher. After I pray. Après que je prie. The God I serve is the same yesterday, today, and forever. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Put your hand where you are sick.
Mets ta main là où tu sens mal, là où tu te sens mal. It's all about Jesus. It's about Jesus. Et c'est pour Jésus. It's about Jesus. C'est pour ça. Yes, it's about Jesus. C'est pour Jésus. It's not about me. C'est pas à cause de moi pour moi. It's not by my righteousness. C'est pas par ma justice. It's by the grace of God. Et par la grâce de Dieu. And I believe that grace will work for you today. Et je crois que cette grâce va œuvrer dans ta vie. Begin to ask God to begin to command that sickness to go. Et commence à dire à cette maladie de quitter. Écoutez d'abord. La maladie ne vient pas de Dieu. Adresse à nos vins de Dieu. La maladie vient du diable. Adresse à vins du diable. Jésus a été manifesté. Jesus manifestou-se pour détruire les œuvres du diable. Para destruir as obras das trevas. Et cette maladie, ça fait partie des œuvres du diable. Esta doença faz parte das obras do diabo. Dites avec moi. Diga comigo. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Après cette prière. Après cette prière. Cette maladie. Tu quittes mon corps. Je quitte mon corps. Après cette prière. Après cette prière. Par le maître de Jésus. Par le maître de Jésus. J'ai été guéri. J'entre en possession. De ma guérison. Écoutez-moi. Peu importe celui qui t'a lancé ça. Ça va rentrer à celui qui a lancé. Amen. Commence maintenant à déclarer, commence à demander que ça parte, commence à demander. Commence à déclarer qu'il même ta main là où tu sens mal. Même colloque à soi mal. Colloque à soi mal. Commence à déclarer que esta doença sai do teu corpo. Que esta doença sai do corpo. Olha para o teu sentimento. Que esta doença sai do teu corpo. Começa a declarar. Maintenant, mais cette prière pour fonctionner pour toi, pour chasser le mal même que tu devais avoir demain. Talvez você não está sentindo a dor agora, mas esta oração vai te ajudar mesmo próximamente. In the name of Jesus. O nome de Jesus. Father, Pai. You said whenever I pray, you will hear. Tu as dit partout je prie, tu es là. That what whenever I pray, you will hear. Ah, quand n'importe quand je prierai, tu vas être là. You said, I will never pray and nothing happens.
Et je ne peux jamais prier que rien ne se produise. Et que rien ne se passe. Et que rien ne se passe. It's not because of me. C'est pas à cause de moi. But it's because of you. C'est à cause de toi. It's not because of what I've done. C'est pas ce que tu, moi j'ai fait, que j'ai fait. But because of all you have done. Mais j'ai, à cause de ce que tu fais. I thank you for your healing power. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta puissance de guérison. That is right here. Qui est ici maintenant. I rebuke every sickness. Je brise toute maladie. I rebuke every disease. Je brise toute maladie, toute infirmité. I command that disease in your body. J'ordonne cette maladie dans ton corps. Go! Va! Go! Sors! Go! Sors! Go! Sors! Go! Sors! Go! Va! In the name of Jesus Christ, Jésus-Christ, I release the miracle working power of God upon your life. Je libère le miracle de Dieu qui est en train d'opérer dans vos vies. Je relâche le miracle qui t'a donné opérer sur vos vies. Receive your healing. Reçois ta guérison. Receive your healing. Reçois ta guérison. Now. Maintenant. I curse that sickness. Je brise cette maladie. Je maudis cette maladie. Je maudis cette maladie. I command that sickness to die. Je commande cette maladie de mourir. I command that sickness to die. Je commande cette maladie de meurt. Your healing enter your body now. Que ta guérison entre dans ton corps maintenant. Receive your healing. Reçois ta guérison. That pain is gone. Cette douleur est partie. That pain is gone. Cette douleur est partie. That disease is gone. Cette maladie est partie. That eye is healed. Ces yeux sont guéris. Is healed. Sont guéris. Receive your healing. Reçois ta guérison. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Jesus mighty name. Au nom puissant de Jésus. I curse HIV/AIDS. Je maudis. HIV. Ah, je maudis le VIH. I command it to die. Et je commande qu'il meure. In Jesus name. Au nom de Jésus. You are healed. Tu es guéri. I declare you healed. Je déclare tu es guéri. I declare you healed. Je déclare tu es guéri. I declare you healed. Tu es guéri. I declare you healed. Tu es guéri. I declare you healed. Tu es guéri. Tester ton corps. Commence agora a testar o seu corpo. Quand Dieu fait un miracle, quando Deus faz milagre, et on cache, e você esconde, on ne le glorifie pas. Você não está glorificando a Deus. Il y a des anges ici, là. Há anjos daqui. Je crois dans mon esprit qu'ils ont enlevé cette maladie. Acredito no meu espírito que já tiraram essas doenças. Commence à tester ton corps. Commence à testar seu corpo. Avec la foi. Commence à par la foi. Pas pour le voir la maladie. Não perante a doença, mas teste ton corpo. Começa a testar ton corpo, testa seu corpo. Je vais donner un morceau, on va chanter. Pendant un riacho. Assemble-nous, le Seigneur, il est vivant. Assemble-nous, le Seigneur, il est vivant. Assemble-nous, le Seigneur, il est vivant. Assemble-nous, le Seigneur. Amen.
Il est congolais. Il faut prendre ici, prendre ici, prendre. Vous ne pouvez pas avoir votre monde à vous seul. Il faut inclure les Camerounais dedans. Amen. Vous ne connaissez pas. Depois de ter deixado seu corpo, tu sens que tu es guéri. Você está sentindo que está curado? Eleva sua mão. Está vendo Deus? Baixa as suas mãos. Baixa as suas mãos. Laisse-a, interprete-moi, laisse-a. Ils vont arrêter ça. Quand on est à l'hôtel, on se focalise. Parce qu'il y a des anges ici. Amen. 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 Baisse les mains. Baixa as suas mãos. Tu sens que tu es guéri. Você está sentindo que você está curado. Que la maladie là est partie. E que a doença foi embora. Pas que tu seras guéri demain. Não, porque você vai ficar curado amanhã. Mais dans ton corps maintenant. Mas no seu corpo agora. Tu ne sens plus la maladie. Você está a sentir mais a doença. Soulève la main. Leva sua mão. Venez devant. Vem aqui em frente. Aplaudissez pour Jésus. Avant que a palavra para Jesus. Vamos aplaudir para Jesus. Ne lâche pas ta guérison. Não deixa passar a palavra. Il y a des gens encore dans la foule. Ne lâche pas ta guérison. Tu vas voir là. Je te disais le dimanche passé. Je te disais le même passé. Je t'ai vu
dans le monde spirituel. Outro vem no mundo espiritual. A train de faire des exploits dans le business. Fazer proezas no negócio. E quando tu vai agora hoje à Sicília. E quando tu vês agora, quando tu vês agora lá. Outro te vem como um grande homem de negócio. E tu vai fazer à Sicília. E aquilo você vai ver isso. Aussi longtemps que tu l'arrêtes et que tu le sers. Et você vai servir. Amen. Tu seras multimilliardaire dans le business. Você vai ficar multimilionário no negócio. Je parle avec toi, tu vas passer ce temps. Viens qu'on puisse en conduire très clair. Il y a un garçon, il y a un monsieur là, je le voyais, sur sa tête était écrit l'Espagne. L'Espagne, c'était toi. Quand j'ai assis là, du fois il y a plus de je regarde les gens, je vois certaines choses. Amen. Amen. Tu connais pas moi ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ton business. Mais avec le temps, tu vas voir comment ça va se réaliser. Você vai ver como é que vai se réaliser. Quand vous disiez qu'il y a les anges ici, quand disait qu'il y a anges ici. Et qu'ils vont faire quoi? Ils vont enlever les malades. Si j'avais mon, ils vont enlever les malades. Maladies. C'était vrai. Oui. Voilà alors les maladies qu'il a enlevées, non? Veja agora a doença que ele tira. Donc quand je dis quelque chose, tu ne peux pas voir ça, mais il faut croire. Quand je dis que c'est un mot divin, mais je n'ai qu'à créditer. Le vrai prophète, ce n'est pas parce qu'il a donné le nom de ton village. Le vrai prophète, non, parce qu'il a donné le nom de la soie de l'IA. Ça, c'est bien, c'est le niveau. Isto é bom, mas... Ça, c'est le niveau bas. C'est le niveau plus bas. Parce que Dieu te connaît déjà. Parce que Dieu te connaît. Donc pour que Dieu donne ton nom, ce n'est pas un... Para que Deus tenha o seu nome, não é uma coisa. Mas quando o profeta diz alguma coisa, e você não conhecia, que você não via, e você não via, e que isso arrive, e aquilo vai acontecer. C'est pour ça que la Bible dit que deux ou trois prophétisent. Porque a Bíblia diz que dois ou três profetizem. E que os outros julguem. E que os outros julguem. Amém. Je voulais vous dire. Eu queria dizer, quando vous voyez les gens que tu as guéri comme ça, quando você não vai chorar, a chorar, que eu choro, je voulais vous dire ça après la guérison. Eu queria dizer, depois da cura, c'est comme ça que Dieu a guéri les finances de certaines personnes. On é assim que Jesus curou finanças de algumas pessoas. Donc, quand il s'est vu regarder, il est assis là, j'ai vu l'Espagne. Eu vim à Espanha. Dieu va t'amener en Espagne. Deus vai te levar à Espanha. Tu me comprends? Você me entende? Dans ta vie, si. Na sua vida, Dieu va ouvrir une porte. Deus vai abrir uma porta. Que vai te levar na Espanha. Você vai se estabelecer lá. Não esqueça de onde você saiu. E não esqueça também o pastor sou rei. Não esqueça, sou reinado. Você está aqui, Deus vai fazer viajar. Não esqueça o pastor, o doutor Pachá. Amém. Diga amém. Tu m'as dit hier, j'ai dit à mon fils. Ontem Deus me disse, eu falei a meu filho. On partait quelque part. Nós íamos à gauche. J'ai dit que je signe ton visa. Eu disse que eu assinei. Dieu m'a dit arrête. Deus disse para. Que à l'église aujourd'hui. Que na igreja hoje. Tu vas signer le visa des gens. Vai assinar o visa das pessoas. Há muitas dúvidas aqui, hein? Há muitas dúvidas aqui, hein? J'ai dit que je vais signer ton visa. Vou assinar ton visto. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Et au spirituel qui contrôle le physique. Quand je veux signer ça ici. Quand on va signer la kiwaki. Et que tu arrives à l'ambassade. Vous savez ce que l'ambassade. Parce que l'homme. C'est pas ce qui s'est passé. Vont dire aquilo qui a acontecé. Ce que tu as fait aujourd'hui. Et Dieu fait hoje. Amen. En 30 secondes. Et 30 secondes. Rapidement, por favor. Qu'est-ce que tu as fait maintenant la première? Alors, il y a 3 jours que j'ai fait des fièvres, des fortes fièvres. Pendant la prière. J'ai la foi que je suis guéri. Amen. Tu ressens ça encore? Non. Oui, ça veut dire que la foi a déjà fonctionné. Amen. Amen. Non, si j'étais mort de dos. Mort de dos, voilà combien de temps? Une semaine déjà. Une semaine, mort de dos. Oui. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Non, j'avais pas beaucoup de difficultés, mais ça me faisait vraiment très très mal. Très très mal. Oui, mais quand on a prié, il y a un changement. Tu sens encore la douleur? Non. Mais comment tu dis qu'il y a un changement? C'est oui. Parti. Oui, c'est parti. Complètement? Oui, oui. Amen. C'est un beau gars. Non, non, viens, papa. Non, viens, viens. Viens, viens, s'il te plaît. C'est papa. Oui, mon frère. Quand je suis arrivé, j'avais tellement, vous serez derrière. Vous écoutez? Donc, prends mon micro.
J'ai dit, j'avais seulement très mal à la tête. Très mal à la tête, oui. Depuis quand? C'est depuis le début de la semaine, donc. De début de la semaine, oui. J'ai même oublié de prendre mon médicament pour ce matin. Donc tu prenais les médicaments? Si. Toi, je t'ai combien? J'ai donné un dollar, donc. Un dollar? Oui. Pour avoir les médicaments. Oui. Maintenant que tu t'as guéri, tu vas donner un euro. Tu m'as pris ce euro. Oui, c'est ça. Mais, quand j'étais là, j'avais très mal. Et tu as oublié de prendre le remède? Et puis aujourd'hui, je n'ai même pas pris le médicament. Okay. Et quand je suis assis, j'avais très mal. Et actuellement, j'ai plus la douleur. Fais un peu comme ça. Tu sens comment? Là, c'est calme. C'est calme. Fais un peu comme ça. Tu sens comment? C'est calme. Tu sais pourquoi tu as oublié de prendre ton remède? Non. Pourquoi quand Dieu va te guérir, tu ne penses pas que c'est parce que tu as pris le remède pour guérir? Tu vas aller à l'ambassade, même si tu ne vas pas qualifier, Dieu va te donner plus de tes voix. De Mayan, la collège par exemple, dans le Mayan, ça va sentir mal dans la tête. Le matin, pendant que je suis allé à la toilette, j'ai senti les maux de tête. Depuis, j'ai entré dans le Mayan, à travailler le Mayan. Et après, je suis entré dans la toilette. Attends, il sentait quoi? Il sentait les maux de douleur. Ça va sentir mal dans la tête. Donc, elle avait mal dans la tête. Depuis, j'ai travaillé le Mayan. J'étais crevé, j'étais sur roupa. Je parle dans le stoï de l'église. Après il a fait la toilette, après il a dit à Dieu que Seigneur je vais à ton église, je vais être guéri. Alors si vous voulez médicaments, il a dit que je ne vais pas prendre le médicament lorsque j'ai sauté de l'église, que je prendrai le médicament. Ainsi, quand même, tu as senti ma ginade. Et maintenant, je ne sens plus rien. Il ne se sent plus rien, il ne se sent plus mal à la tête. Dieu a juste fait une bénédiction parmi. Dieu a fait une grande bénédiction dans sa vie en le guérissant de ses maux de tête. Il avait le programme de rentrer par le remède, oui. C'est ça? Oui. Il a mis un programme à dire comment médicamenter ici. Tu as déprogrammé ça. Dieu dit que d'avoir des jeunes médicaments pour nous, une normale, des médicaments. Je parle dans notre premier médicament. Il a dit qu'il a donné une église. Quand ça a une église, j'ai revu. Mais le médicament depuis hoje. Agora não está sentindo mais nada na cabeça. Não vou beber mais. Ok. Il a dit quoi? Il a dit qu'il avait même le médicament. Il avait le médicament, il devait normalement prendre le médicament. Mais il a dit non, je ne prends pas. Lorsque je reviendrai de l'église, je vais prendre le médicament. Mais maintenant, après la prière, il se sent très bien, il se sent guéri. Il n'a plus le mot de tête au nom de Jésus Christ. Il n'a plus le médicament, la guérison est naturelle, est divine et claire. Yes. Alléluia. J'ai mal au sein gauche. Mal au sein gauche. Je me suis levée le matin avec ce mal. Je me suis mis à genoux, j'ai prié que le mal puisse partir. Parce que j'étais essoufflée, je n'arrivais pas à bien respirer. Tu n'arrivais pas à bien respirer. Donc le Seigneur même respira. C'était pendant les une semaine. Ça ne chauffe pas, ça ne frappe pas. Les une semaine de temps en temps, j'ai mal, je me suis dit que peut-être c'est une maladie qui va arriver. Oui. Mais j'ai dit, comme j'ai pris au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Amen. En priant ce matin, en dansant, j'ai mis la foi de cette maladie qui va. Avec votre prière que vous avez donnée, cette maladie est quittée. Amen. C'est quitté. Amen. Donc, respire. Amen. Tu avais d'abord mal quand tu respirais. Oui. Respire à l'envoi. Respire d'abord. Respire à l'envoi. Tu as mal. Non. Un peu. Non. Tu as un peu mal. Non. C'est parti complètement. Et qui a fait ça? C'est Jésus. Et Jésus. Shalom. Micro. Il y a, je crois, 10 jours. À 10 jours. Ça va partir comme ça. Ça va partir comme ça. Ça me fait mal comme ça. Ça faisait mal comme ça. Faisait mal. Ce matin, j'ai dit, Jésus-Christ, je viens à ta présence. Oui, Seigneur, je vais à ta présence. Quand je suis arrivé, j'étais assise. Quand le pasteur me disait, je vais prier. Là, vous dites la bénédiction, vous êtes assise. Parce que j'étais touchée, j'étais tellement mal. Tu avais mal. Et quand vous avez dit toucher, vous avez mal. Et Jésus-Christ, c'est toi qui parles des miracles. Enlève cette douleur parce que je ne pourrais pas parler turc. Et après la prière, ça fait moins mal, j'arrive à soulever. Amen. Bon, donc avant, pour soulever, ça faisait mal. Oui, il y a plus de la semaine quand j'ai assise. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai toujours la main comme ça. Voilà, donc toute la semaine pendant qu'elle venait à l'église, je suis assis, je touchais comme ça. Elle avait mal, même pour se lever.
Tu te moques, c'est vrai? Oui, c'est parce que j'ai fait le massage ce matin. Elle a fait le massage ce matin, sa sœur. Maintenant, tu fais comment maintenant? Maintenant, tu fais comme ça, ça soulève. Oui. Soulève, allons voir. Avant, c'était pas comme ça. Avant, je ne pouvais pas mettre comme ça. Il y a 10 jours, je ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça? Amen. C'est comme si j'avais le mauvais. Amen. Pendant 10 jours, elle ne pouvait pas faire comme ça. Après aujourd'hui, ces choses qu'on a dit que tu ne peux pas faire, tu feras. Amen. Amen n'est pas possible. Amen. Mais en même temps, c'est pour vivre, s'il te plaît. Alléluia. Amen. En fait, il y a 2 semaines, j'avais mal ici, juste ici au corps là. Oui. Je croyais peut-être que c'était la fraîcheur, tandis que ce n'était pas ça. Oui. Et ma maman m'avait dit que je n'ai pas envoyé le médicament. Dernièrement, il y a ma soeur qui doit venir au cours de la semaine pour m'apporter le médicament. Mais quand je suis entré par la prière, par la foi, et juste là, je ne souffrais pas. Tu ne sens plus mal ici? Non. Et tu avais ça mal pendant 2 semaines? Oui, pendant 2 semaines. Et on devait t'envoyer le médicament? Oui. Mais Jésus a enlevé ça. Il est en train de lancer. Alléluia. Amen. À très bien. Amen. Ça fait au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Mets le micro à la bouche. Au niveau des barbes. Au niveau des barbes. Tu avais mal? Oui. J'étais très bien. Hein? J'étais très bien. Elle est guérie. Pour le moment, je suis guérie. Maintenant, tu es guérie. Oui. Donc, depuis 2 semaines, tu avais mal au barbe. Mais maintenant, tu ne le sens plus. Shalom, Jesus. I feel like a long time ago, I was feeling bad in my back. Ça fait longtemps que je sentais mal à côté de moi. Even my feet. Même mes orteils. When I pray après massage, I feel like some sickness. Et lorsque le pasteur a prié, et moi-même j'ai prié, j'ai senti quelque chose sortir de moi. C'est une maladie sortie de moi. Et je remercie Dieu pour ça. Pour toute chose. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ça fait des semaines que Viens. Parce que tu manques quelque chose. Tu crois, toi? Mets le bras à la bouche. Ça fait 2 semaines que je chantais mal. Et quand on a la voiture, on a pas autant pour la tête. Et je ne savais pas, je n'arrivais pas à marcher. Hein? À marcher? Oui, oui. C'est quoi les lots? Elle a eu l'église. Et lorsque je suis venu à l'église, j'ai appelé ma sœur, j'ai senti vraiment cette douleur-là s'est manifestée en moi. Et la massée avant de penser moi, pendant que je chantais, j'ai senti ces choses-là sortir en moi. Amen. Maintenant alors, tu marches bien. Maintenant là, je marche très bien. Elle dit qu'elle marche très bien. Ça fait combien de temps? Et ça fait 2 semaines depuis qu'elle est changée. Je suis formidable. Il faut le servir. Amen. 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 Quand vous célébrez pour les autres, ça provoque pour vous. Amen. Ça fait 3 mois. Je souffre les yeux. Les yeux. Ça faisait comment ma chérie? Viens ici devant. Je souffre les yeux. Je vois seulement vu de près. De loin, je ne vois pas bien. Avant que puisse me marcher, pour que j'envoie la lénose. Donc depuis 3 mois, oui. Tu ne pouvais pas voir de loin. Oui. Tu voyais seulement de près. Oui. Puis aujourd'hui, le matin, je dis à ma chère qu'on part à l'église, qu'on prie pour moi. Depuis qu'on est en train de prier, je vois vraiment clair. Amen. Amen. Donc, tu peux maintenant voir en distance. Prends ta main derrière et tu vois en distance. Bon, t'attrage. Va bien à distance. Tu me vois clair? Vous avez clair? Hein? Très bien. C'était comme ça par avant? Oui. Avant, c'était comme ça? C'était comme ça, je ne vois pas vite. Ah. Maintenant, tu vois bien? Je vois très bien. C'est combien de doigts là? 1, 2, bon là c'est pas gagné. Au fond là. Ça va au fond, le ça va. Le plus plaisir c'est ta foi, le bilan c'est tout. Regarde maintenant. Tu me vois? Oui. Claire? Très bien. Mets les doigts. 1, 2, 3. C'était comme ça par avant? Oui. C'était comme ça avant? Non. Apparemment, je ne voyais pas comme ça. Par avant, je ne voyais pas comme ça. Hein?
Auparavant, je ne voyais pas comme ça. Va aller au fond là-bas pour que ton regard soit passé encore. Regarde-moi. Tu me vois? Oui. Combien? Une, deux, une. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne à la prochaine. Ici, ici. Maman, ici. Maman, vous prenez le micro. Ok, Dieu t'a fait quoi? Ok, donc la voix, donne à la une personne, sa voix ne sent pas. La voix, je ne sais pas, ça y est. Toi, toi, j'en doute, maman. Moi, j'avais l'étouffement au niveau de la tête. L'étouffement au niveau de la tête? Et pendant 2 semaines, ça me faisait mal à la tête. Ça faisait mal à la tête pendant 2 semaines? Je n'ai pas à bien réfléchir. Et tu vas bien réfléchir. Ouais, lorsqu'on priait, j'ai senti l'onction de Dieu descendre dans ma tête. Et descendre au niveau du dos, alors j'ai senti. Je suis à Dieu, j'ai senti Dieu. Pendant qu'on priait, il a ressenti l'onction qui descendait sur la tête au niveau du dos. Ouais, ouais. Après cela, je me suis bien senti. Après cela, il se sent très bien. Alléluia. Amen. L'onction ne pouvait pas se garder. Donc pendant qu'il y avait un ministère, l'onction a identifié la personne, que même si les autres ne reçoivent pas, que la personne qui a fait cette semence reçoit. Amen. 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 En fait, moi, ça fait 3 mois. 3 mois. 4 mois. J'avais un peu de douleur ici. Oui. Et on me disait que c'était l'appendicite. On était allé à l'hôpital. On a eu rendez-vous, mais j'avais un peu la paresse de partir à l'hôpital. Et je n'ai pas été en fait à l'hôpital, à tous les rendez-vous qu'on a eu à faire. Et récemment, c'était le jeudi, j'étais avec le berger. On était au métro. Il y a une petite fille qui est venue nous demander l'argent. En fait, elle m'a appuyé ici. Et au moment qu'elle m'a appuyé, ça m'a vraiment fait mal. Pourquoi cette fille est en train de m'appuyer ici? Ça m'a fait mal, je n'avais pas parlé de ça. Donc ici, là, c'était un endroit. Bon, si quelqu'un veut toucher, en fait, j'ai réagi directement. Donc, quand on touchait, tu sentais mal? Oui, ça faisait vraiment mal. Vraiment mal. Et quand on a prié ici, je n'ai rien ressenti, en fait. Et quand vous avez dit, c'est un peu de toucher là où vous avez mal. J'ai touché, donc je peux encore toucher. J'ai demandé au frère, je vais appuyer, il a appuyé. Donc, là, ça fait complètement bien. Amen! Tape-moi. Bon, toi, tu es. Où est mon frère musclé là? Non, c'est pas toi. Tu n'es pas musclé. C'est lui, oui, Vivien. Il fait cette affaire. Il s'est livré. Tu es en bas. Tu es en bas. Bien. Amen. Dans le bus. C'est ça. J'ai une semaine et demie. Et il y a une semaine et demie. Où ma boule t'attend. Oh, j'avais la douleur. Mais aujourd'hui. Je pense que c'est très bien. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Il avait la douleur. Oui. Tout c'est, il y a une semaine et demie maintenant et il se sent très bien. Amen. Okay. Alléluia. Mon frère, là, j'aime tes lunettes derrière. Amen. Ah, c'est toi? Amen, everybody. Amen. I want to say, last Sunday when the pastor talked about the sky, when I see there, I was feeling in my heart. When he... Le dimanche passé, lorsque le pasteur parlait sur les étoiles, je vis une lumière. Yeah, after church, I come to pastor. Après l'église, je suis allé voir le pasteur. I talked to him about that. Et j'ai parlé avec lui à propos de ça. Il s'est tourné. Il m'a dit. For a long time, just for the last Sunday. Il m'a dit, c'est depuis longtemps, non, c'est juste le dimanche passé. When I go back home. Lorsque je suis rentré à la maison. I was feeling fine. Je me sentais très bien. But now, I'm just to say thank you, God. Maintenant, je suis venu, c'est ma vie, merci à Dieu, je suis venu, merci à Dieu. Vamos
Elle va aller sagement. Le docteur Pastor a prié que ce miracle soit permanent. Au pasteur Frank, que ce miracle soit permanent. Que ta guérison soit établie au nom de Jésus. Que ta restauration ne soit pas volée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a planté. Aucune force de l'épreuve, il va retourner cette maladie en toi au nom de Jésus. Aucune puissance de retour ne viendra encore voler ce que tu as reçu au nom de Jésus. Après aujourd'hui, tu iras de gloire en gloire. Après maintenant, les choses nouvelles commencent. Car Dieu garde ta bénédiction et te donne plus que cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais Dieu avait aussi le témoignage. Ah, bon, tout simplement, Dieu se donne. Les autres, allez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Amen. Ça va, aussi, je suis venu aussi témoigner Dieu. Je me sentais mal au niveau de mes yeux. Je me sentais comme s'il y avait une plaie ici. Les poches, après. Et les oreilles. Ta mère, j'avais mal au niveau de mes oreilles, de mon oreille. Ça va, c'est. Pour combien de temps? Un dos. Durant combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. Ça va, c'est mal. Je me sentais vraiment très mal. Où ma vache? Une fois. Oh, c'était un dorité pour ta mi pica. Tico, où ma cause ta mi pica dans l'oreille? Et je sentais comme si quelque chose qui me piquait au niveau de mon oreille. Et au reste, je m'ajoute. J'ai prié, mon Dieu, aide-moi. Dorité, si dorité, nous pierre, papa. Je ne veux pas de cette douleur. Le matin lorsque je suis venu arriver ici, c'était ma journée d'or, image des oreilles. J'ai senti encore une douleur de l'oreille. On m'a dor, type, on m'a ferré d'adèle, ma qui. J'ai senti comme s'il y avait vraiment une paix à l'intérieur. J'ai prié de nouveau, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Donc, je voyais que cet œil ne voyait pas bien. Même des maillards, fallait à maman Rita, tu as reparti trop pas sur le pagode. Au même le matin, j'ai dit à maman Rita, tu as changé les habits. Pour que mes habits, ça nous t'a bébé. C'est parce que mon œil ici ne voyait pas bien. Quand le pasteur faisait oration, mais quand le pasteur faisait le service de prière, ta mère sentit nous te mange. Et maintenant là, je ne sens plus rien, je ne sens aucune douleur au niveau de mon œil. C'est pour cela que je suis venu dire merci à Dieu. This power will follow you wherever you go. Cette puissance va te suivre partout où tu iras. Yeah. Jesus. Le nom de Jésus. Your amen is very bad. L'amen vraiment c'est mauvais. I say this power will follow you wherever you go. Yeah. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. On Wednesday. Le mercredi. And Thursday, Friday. Le jeudi et le vendredi. We have been studying the word of God. Nous étions en train de parler sur la parole de Dieu. Mais maintenant, si parle mal, je vais continuer parce que j'ai 30 minutes. Vous allez seulement supporter comme ça, amen. Amen. Appréciez pour lui. C'est pas facile parce que ma manière de parler, c'est ça qui lui pose problème. Mais il fait très bien. Parler 5 langues, c'est pas facile. Hein? Il est comme un diplomate. Amen. Et j'ai salué mon ami là, Jospin. Je l'ai vu hier quand on est parti au restaurant, je l'ai invité. On m'a dit que non, il vient à l'église. Il dit qu'aujourd'hui, il ne sait pas s'il va être là. J'ai dit qu'il faut essayer d'être là. Et voilà, il est là, il est assis. Même s'il n'entend pas, il est assis. Alors que c'est temps de nous sommes gênés. Mais il est là, il est assis là. Il sait que tant qu'il est dans la présence de Dieu, même s'il attend ou pas, c'est les bonnes choses qui se passent et ça sera bon pour lui. Alléluia. Amen. Je viens auprès de vous. Amen, je vous sais. En tant qu'un envoyé de l'Éternel. Comme un enviado de l'Éternel. Si tu me reçois. Si vous me recevez. Tu reçois celui qui m'a envoyé. Vous pas recevez aquele que me enviou. Amen. Amen. Je viens du Cameroun. Venho do Camarão. Je travaille dans l'église pentecôtiste la plus grande au Cameroun. Trabalho numa igreja mais grande do Camarões. Avec plus de 1000